Aurélie d'autrement en larmes, elle vient de se séparer de son chien Billy. Elle s'exprime en pleurs via Story Snapchat. Dans un premier lieu, Aurélie a partagé un post où elle demande aux internautes de ne pas prendre un animal si c'est pour ne pas s'en occuper. Et quelques minutes plus tard, elle s'est exprimée longuement via Snapchat sur sa décision. La jeune femme a confié de ne plus pouvoir s'en occuper de son chien compte tenu de son absence et que Billy était malheureux. Voici ce qu'elle a dit. Je me suis séparée de gros Billy parce que je n'étais jamais à la maison, qu'il n'était pas très heureux. Je l'ai donné à des gens très très bien qui ont déjà deux carlins, qui ont un grand jardin. Ça a été la chose la plus dure à faire, je pense. Ce chien connaissait toute ma vie depuis un an et demi. Je crois qu'il en avait même marre de mes histoires. Mais sachez qu'il va être très heureux, donc c'est ce qui me rassure dans mon mal-être. J'ai dû penser à lui au lieu de penser à moi. Ces derniers temps, il me faisait que de la merde chez moi. Donc je me suis rendu compte qu'il était très malheureux. Et malheureusement, j'ai dû m'en séparer. Mais pas de panique, il va être très bien là où il est. Mais voilà, c'est juste un message que je vous fais passer parce que j'en ai besoin et parce que j'en ai envie. Ne prenez pas un animal si c'est pour pas vous en occuper comme il faut, comme il se doit. J'essaie de parler, c'est difficile. Du coup, à tous les humains de cette planète, sachez qu'un chien, c'est bien, c'est beau, mais il faut en prendre soin, il faut s'en occuper. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, n'en prenez pas, parce que c'est vraiment un travail à plein temps et malheureusement, on n'a pas tous le temps. Donc... voilà quoi. Prenez pas d'animal si vous pouvez pas vous en occuper. Après cette story, Aurélie a publié quelques moments partagés avec son chien Billy. N'hésitez pas à commenter, liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.